Mesdames et messieurs, ici Boss Stadium. Nouvelle que vous attendez. Message que vous attendez. Abonnez-vous sur Boss Stadium. Excellence Michel Joseph Martelly est visité mercredi 12 octobre 2011 l'an ancien chef d'État haïtien Jean-Martin Aristide Tabah avec Jean-Claude Duvalier Thomasin. Visite président Martelly a historique d'après deux présidents yo qui ont un geste ça renforcement lien entre citoyens yo. C'est une visite qui fait sous signe la paix, respect, dialogue et fraternité entre petit pays. C'est une attitude comme ça qui a conduit peuple haïtien sous voie changement réel là d'après chef l'État. Visite ça yo annoncé organisation une assemblée ancien chef l'État qui doit réunir ensemble sous initiative président Martelly sous divers gros problèmes qui entravaient reconstruction Haïti. C'est pour ancien président Duvalier une initiative qui à la fois noble et puis ambitieux. Il était profité pour lancer un appel solennel à toute leader politique à caractère la vie nationale là, une façon pour permettre yo mettre sous côté tout conflit sans valeur, toute rancune pour nous faire face à divers défis. Les démarches que vous préconisez en faveur de la réconciliation nationale est à la fois noble et ambitieuse. Pour ma part, elle présente un préalable au développement économique et à la reconstruction d'Haïti. Je profite de l'opportunité pour lancer un appel solennel à tous les leaders politiques, tous les acteurs de la vie nationale pour qu'ils mettent de côté leur rancune et qu'ils comprennent l'impérieuse nécessité de se mettre ensemble en vue de faire face aux nombreux défis. Monsieur le Président, vous pouvez être assuré de mon soutien et de mon appui pour la pleine réussite d'une telle entreprise. Tous deux anciens chefs l'État yo te promettent appui yo à président Martelly pour réussite 5 ans liens. Gen l'autre point qui te débat dans l'occasion ça, tant que restructuration, renforcement parti politique yo ak accompagnement l'État. Avec une population qui s'en déchire, je me suis dit pourquoi ne pas d'abord nous asseoir autour d'une table, tous ces leaders, se comprendre, se pardonner, oublier le passé, se mettre ensemble pour bâtir cette nouvelle Haïti. Et c'est dans ce cadre que j'ai entrepris la démarche. Je saisis l'opportunité pour vous remercier de cet accueil chaleureux. Et je compte déjà sur vous, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, l'heure est à la réconciliation. Il faut qu'on se tienne tous derrière un nouveau projet. Tout le monde ensemble, tête calée, pour nous refaire pays nous. Et c'est l'heure ça vraiment, que nous avons parlé de un Haïti digne, puisque par le passé, nous avons pris des âmes pour nous défendre indépendants, mais juste aujourd'hui, c'est le monde qui a réfléchi pour nous. Mais là, nous montrer que nous sommes seuls, que nous sommes nation, nous sommes peuple. Nous n'avons qu'à penser pour nous, nous n'avons qu'à agir pour nous. Bien sûr, on aura toujours des partenaires qui pourront nous accompagner dans certaines démarches. Mais on se sentira beaucoup plus libre et indépendant, parce qu'on pourra penser pour nous, on pourra régler nos problèmes entre nous, et on sera une nation, comme je l'ai dit. Donc merci et au travail. J'invite tout le monde à nous suivre. Comment ça va? Au plaisir de vous rencontrer. Finalement. Quel plaisir. Finalement, comment ça va? Président de la République, Excellence Michel Joseph Martelly, est visité mercredi 12 octobre 2011 l'an, ancien chef d'État haïtien Jean-Martin Aristide Tabah. Une visite qui fait sous signe la paix, respect, dialogue et fraternité entre petit pays. C'est une attitude comme ça qui a conduit peuple haïtien sous voie changement réel là d'après chef l'État. Je pense que nous étions pratiquement tant trop pour nous faire une pareille rencontre, mais plutôt nous faisons ça, mais nous faisons le bien, nous faisons le bien fait. Jean que moi te dis avec le président Aristide, dans un petit appart que nous avons gagné, nous avons cette nuit de bonne indépendance avec ZAM. Il faut dire que nous avons une opportunité à travers tête ensemble, l'une avec l'autre, pour nous
continuer sur le chemin de développement. Et c'est une raison qui te mène ici. Parce que l'est arrivé pour tout Haïtien mettre tête ensemble, pour nous gagner un projet, une vision, pour nous réussir finalement à mettre le pays que nous voulons mettre sous pied sous pied. C'est dans le cadre ça que nous avons fait des marches pour rentrer le président Jean-Bertrand Aristide, je vous dis avec madame Ni, que nous remercions encore pour l'accueil là. Et nous avons continué des marches ça à travers tout l'autre président qui a vécu dans le pays, qui au nombre de 8 ou 9, si je ne me trompe pas. Et rêve président Martelly, c'est font table ronde pour nous tout ancien leader Sao Chita, ensemble avec actuel leader, pour nous réfléchir sur le problème du pays. Le pays, ce n'est pas nous, c'est haïtien nous. C'est nous pour mettre tête ensemble pour nous faire le marché. Seule façon pour éviter le pays à confronter le problème de Jodio, c'est uni tout haïtien une clotte. Inviter l'idée, ancien et nouveau, à pas donner une clotte, à comprendre une clotte, et puis oublier conflit qui te connu gagné, pour faciliter le développement. Si haïtien yo pas capable d'entendre sur une série point, yo doit entendre sur Haïti, d'après président Martelly, qui invitait tout petit pays à faire une chaîne de développement. Kay ancien président Jean-Bertrand Aristide, yo te discuté sur éducation, création de job, tourisme, avec une force nationale sécurité, moderne, dynamique, qui capable d'intervenir les catastrophes naturelles, avec un projet de développement, yo. Pour l'idée Patrice Ravalasla, visite président Martelly a vint renforcer tout pas qui était déjà fait pour mener à progrès, et puis contribuer à faciliter et stabilité pour permettre développement économique Haïti. Li promet soutien à président Martelly, surtout dans le domaine éducation. Nous faisons pour remercier le président Martelly avec la délégation pour visite ça. Une visite qui renforce tout le pas qui fait déjà sur route tête ensemble. Jean-président avait me dit, nous tous haïtiens, l'autre bord de l'eau comme en Haïti, c'est entendre pour entendre. Les ancêtres ont entendu. Nous avons fait l'union, fait la force, ça te bat nous, un pays. Je dis à même l'union fait la force là, c'est entendre pour entendre. Les petits mouns, fait, cellules qui dans le cerveau, ça y aurait les neurones, sont capables de faire 1 800 000 coups de téléphone par l'autre cellule qui dans le cerveau à la seconde. Pas à la minute. Ça veut dire que tout le monde peut apprendre une langue plus facile, plus vite que grand monde. Nous-mêmes, grand monde, qui avons une responsabilité comme citoyen, nous observer, nous réfléchir, nous capables de faire cellules qui nous servent, faire un pile coup de téléphone par l'autre cellule pour nous continuer à parler, dialoguer. Entendre-nous pour pays à capable de venir plus belle. C'est avec esprit ça que nous disons merci de visiter la présidente. Notre invité aujourd'hui est le président d'Haïti, Michel Martelly. Monsieur le président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marc, c'est un plaisir pour moi d'être reçu et par vous et votre équipe, pour la deuxième fois d'ailleurs. Absolument. Monsieur le Président, vous revenez récemment d'une visite aux États-Unis. Vous êtes en France pour des rencontres avec le président Hollande. Vous allez ensuite en Italie. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez transmettre aux autorités occidentales? Le message est le même. Cette nouvelle dynamique qui fait qu'Haïti n'est plus ce qu'elle était auparavant. Une Haïti démodée et envahie par la corruption, la mauvaise gouvernance, une Haïti qui se réveille et qui tient à se tenir debout seul, bien sûr, en tenant la main des partenaires. Donc, en un mot, c'est faire comprendre au monde que nous voulons absolument nous distancer des dons et par contre favoriser l'investissement en Haïti pour la création d'emplois. Alors évidemment, après ce terrible tremblement de terre, il y a un petit peu plus de 4 ans, les dons sont quand même encore importants, les bailleurs de fonds sont présents. Je crois comprendre que vous aimeriez bien qu'ils vous fassent plus confiance, à savoir qu'ils laissent les autorités haïtiennes s'occuper de la gestion des fonds plutôt que les organisations non gouvernementales. Le problème, c'est qu'on ne vous fait pas forcément confiance. Bon, il va falloir qu'on nous fasse confiance parce que, un, d'importantes réformes sont en cours. Et de deux, nous
nous invitons les pays amis à venir travailler avec nous, nous accompagner, nous passer l'expertise dont ils jouissent eux-mêmes. Sur la question des dons, on a souvent compris que les fonds qui ont été alloués à Haïti à travers les ONG ne sont pas passés par l'État haïtien. Donc sur la question de la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de ces fonds, il faudrait absolument revoir avec les ONG. C'est pour ça que l'État, d'ailleurs, en passant par les ONG, on a fait qu'affaiblir encore nos institutions étatiques. Les cadres, les experts, ils ont préféré travailler avec les ONG qu'avec l'État. Et nos bons cadres sont partis, l'État ne pouvant pas utiliser leurs services. Donc c'est pour ça qu'il est absolument important qu'ils nous fassent confiance. C'est pour ça que nous sommes sur tous les plateaux à converser avec eux, les rassurer et nous entreprenons les réformes importantes qui puissent rassurer tout ce monde. Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que les États-Unis, la France vont, d'après vous, donner directement au gouvernement haïtien ces fameux fonds dont le pays a tant besoin pour se remettre sur pied? Il y a des pas importants. Par exemple, l'Union européenne alloue à Haïti directement des fonds importants aujourd'hui. Et aussi, bon nombre d'ONG ont compris que l'État haïtien prenait les choses en main aujourd'hui, donc ils sont, eux, partis seuls. Et nous avons, pour ça, mis en place aussi une institution dénommée le CAED, qui fait que les ONG qui restent encore sur le terrain doivent absolument et voir avec le gouvernement pour comprendre les priorités du gouvernement et agir dans le sens des priorités du gouvernement. Vous aimeriez que les ONG partent d'Haïti, pour certaines, ou en tout cas qu'elles vous laissent plus de liberté pour agir? Vous avez l'impression qu'elles sont une entrave parfois? Parfois, je dirais oui. Mais surtout parce qu'on n'avait pas le contrôle sur ces ONG par le passé. On ne demande pas qu'elles s'en aillent, mais on demande qu'elles s'alignent plutôt avec les priorités de l'État. Et on demande aux partenaires de faire la balance sur l'allocation des fonds, de ne pas tout allouer aux ONG et laisser l'État sans moyens. Alors le problème qui est lié évidemment, c'est celui de la corruption. C'est un vieux problème en Haïti. Il y a souvent des scandales. Il y a même des scandales qui ont éclaboussé votre famille. Vous l'avez nié avec force. Mais il y a toujours cette association, sans doute exagérée, mais entre Haïti, pauvreté et corruption. Bon, laissez-moi vous dire. Les partenaires dont on parle, ils sont tous en Haïti. Et on fait appel à eux pour pouvoir utiliser leur savoir, leur connaissance. Donc ils sont là. Et sur les questions de rumeurs, en ce qui a trait à ma famille ou ce qui est dit en général, vous savez que quand l'opposition veut frapper, elle sait où frapper. Mais nous sommes là, la population reste confiante aujourd'hui, d'importantes réformes sont entreprises et nous fonctionnons dans la transparence. Donc ce ne serait même pas au président de se justifier ou au gouvernement de se justifier. Une investigation peut être faite, vous voyez, comme je vous le dis, les partenaires, ils travaillent très proche de nous, et même quand on a des problèmes, que ce soit même au niveau du combat contre le trafic de la drogue, des fois nous n'avons pas les moyens, et quand nous ne trouvons pas le support de la MINUSTAH par exemple, les Nations Unies qui sont en Haïti, nous nous assurons de déclarer ce genre, la présence de bateaux qui apportent cette drogue. On appelle nos ambassades, pas nos ambassades, les ambassades des pays amis pour leur dire qu'il y a des problèmes et par-ci et par-là, pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas, il n'y a pas une combine entre ce trafic et le gouvernement. Parce c'est que le gouvernement, président propre. Oui, tout à fait. Ah, vous avez évoqué les Nations Unies. On sait qu'en plus de ce tremblement de terre, il y a eu une deuxième catastrophe, l'épidémie de choléra. Au début, on ne savait pas exactement qui avait amené le choléra. Il semblerait, d'après toutes les études scientifiques, ou en tout cas la plupart, que ce sont des casques bleus népalais de l'ONU. Mais on n'entend pas le gouvernement crier au scandale, demander des excuses, demander des dédommagements. Pourquoi? Vous avez peur que les Nations Unies s'en aillent si vous leur demandez justice? Pas du tout. On laissera la partie civile faire sa démarche. Cependant, au niveau du gouvernement, on a choisi notre bataille. Notre bataille aujourd'hui, c'est de combattre ce fléau et de faire en sorte qu'on s'en débarrasse. Donc, on a monté un plan au niveau du ministère de la Santé. Ce plan a été communiqué aux Nations Unies. Le secrétaire général a pris connaissance de ce plan. On a formé une commission mixte. Et là, maintenant, on est en train de travailler à identifier des fonds. Et nous avons demandé particulièrement aux Nations Unies, puisque, entre parenthèses, ils seraient les responsables. Vous le croyez quand même? Et il y a une investigation qui a été faite et qui suggère que les Nations Unies sont les responsables.
Cependant, comme je vous l'ai dit, on a choisi notre bataille. Notre bataille. Donc vous ne voulez pas des excuses, mais de l'argent, en gros. Et on veut combattre ce fléau. On veut s'en débarrasser. C'est ça la priorité. Les excuses, c'est bon. Et imaginez-vous qu'on ait des excuses et qu'on ne s'en débarrasse pas. Pour moi, le plus important serait de s'en débarrasser aujourd'hui. Alors, à propos de choses dont on aimerait se débarrasser, c'est les gens qui habitent toujours dans des tentes. On estime à 170 000 le nombre de gens qui vivent encore dans des tentes 4 ans après. Est-ce que c'est pas une honte ou un scandale ? Pas du tout. Pas de gère. Non. Parce qu'on parle de 2,5 millions de personnes qui ont pris abri sous cette tente après le séisme. Et vous dites 4 ans. Je suis arrivé en mai 2011 à mai 2014, ça fait 3 ans, déjà moins de 3 ans. Et en moins de 3 ans, on est passé de 1,5 million à exactement 147 000 aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'on aimerait qu'il n'y ait plus de gens à vivre sous les tentes. Mais comparé à 1,5. Quand est-ce que tous ces gens seront relogés? Là, ça a à voir avec. Et ça prend du temps et ça coûte du temps parce qu'on ne détruit pas ces camps. On identifie des maisons, on construit des maisons, on réhabilite des maisons endommagées et ensuite on essaie de louer un espace pour des gens. Donc ça coûte, que ce soit pour la location pour une année, que ce soit pour la réhabilitation, ça coûte, que ce soit pour la construction, ça coûte. Donc il y a le temps, il y a de l'argent et le programme est bien fait. Il n'y a pas eu une personne à se plaindre de la façon dont on le fait. Maintenant, il s'agit de bien le faire, faire le plus vite possible, mais on ne peut pas forcer la note. On avance très bien. Rapidement sur la crise politique, des élections ont été retardées, des élections municipales de 3 ans, des élections sénatoriales presque 2 ans. Il y a un dialogue entre vous et l'opposition. Est-ce qu'il va y avoir un accord et est-ce qu'il y aura des élections? Et si oui, quand? Il y a un accord aujourd'hui et cet accord aurait dû être signé samedi dernier. Malheureusement, le président du Sénat, qui est aussi le président de l'Assemblée, a préféré ne pas se présenter pour signer parce qu'il a conditionné sa signature à la publication de la liste des juges à la Cour des comptes que je n'ai pas encore publiée parce qu'il y avait des préoccupations sur certains noms. Mais il y a un accord, donc il s'agit de le signer. Il sera signé ? Je veux le croire, excepté que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, en tant que chef de l'État, s'il y a des préoccupations sur certains noms à la Cour supérieure des comptes, ces gens sont appelés à devenir des juges. Et il va falloir qu'on clarifie cette question. Quand y aura-t-il des élections? Il y aurait dû en avoir depuis... Certainement. J'en veux. Je serai le premier à en bénéficier parce que je ne suis pas issu d'un parti politique et je n'ai pas de membres à la Chambre des députés. Je n'ai pas de députés, pas de sénateurs. Donc j'aimerais bien aller aux élections pour que mon parti, aujourd'hui, puisse gagner certains sièges et renforcer la vision du président Martelly. Très bien. Dernier sujet que j'aimerais aborder. J'ai entendu dire que Haïti aimerait être plus présent dans les instances internationales et notamment peut-être organiser le sommet de la francophonie en 2016. Celui de cette année aura lieu au Sénégal, à Dakar. Mais est-ce que, pour Haïti, ce serait une idée et un symbole fort? Certainement, un symbole fort. Depuis mon arrivée à la présidence, Haïti a rejoint la plupart des plateaux internationaux. On est partout. J'ai été le chair de la CARICOM pendant 6 mois et on participe à tous les sommets, que ce soit le sommet ibéro-américain, la CELAC. On est partout. Question de refaire vivre notre pays. Et on organise aussi des sommets en Haïti. Et aujourd'hui, avoir ce sommet, pouvoir organiser ce sommet de la francophonie en Haïti, ce serait un coup important pour nous. Donc, vous déclarez officiellement qu'Haïti... Nous sommes officiellement, c'est ça, candidat. Très bien. Et dernière petite chose, vous allez donc à Rome, le premier cardinal haïtien. Vous allez aussi rencontrer le pape François, qui se définit lui-même comme le pape des pauvres. Est-ce que vous allez l'inviter en Haïti? Certainement. La dernière fois que nous avons reçu un pape en Haïti, c'était en 1982. Et le pape François, je crois qu'il serait bienvenu. Il représente exactement ce que nous faisons. Nous priorisons et le bien-être de ceux qui ont été délaissés pendant plus que des décennies. Et c'est pour eux que nous travaillons. Nous travaillons pour tout le monde, mais particulièrement pour ceux qui vivent dans les conditions les plus pénibles. Donc, ma vision sociale rejoint celle du pape et je crois qu'il devrait
passer à Haïti, voir un peu, nous donner des conseils, prier avec nous. Parce que nos problèmes, ils sont avant tout internes. Ils sont avant tout internes. Donc on a besoin de se reconnecter entre Haïtiens, de se réconcilier. On a besoin d'un peu de prière. Mesdames et messieurs, ici pour le stade, nouvelles qui vous attendent, messages qui vous attendent. Abonnez-vous sur Boston Journal.